Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre nouvelle émission du programme Merveilles en Égypte. Je vous invite donc aujourd'hui à visiter un des sites du culte islamique très antique, considéré ainsi comme emblème de l'Égypte. Un endroit d'ambiance plein de silence et respect, riche d'ampleur architecturale et spiritualité religieuse. C'est donc la mosquée madrasa immense du sultan Hassan, qui date de 1356 et qui remonte à la période mamelouk en Égypte. Je vous invite donc, chers amis, à suivre ce film documentaire pour découvrir les merveilles de ce site très fameux et ses grands secrets. En Égypte, une grande partie de cette fortune architecturale reste encore brillante et éclatante à travers ces monuments antiques qui remontent à des milliers d'années. La mosquée du sultan Hassan au Caire, au pied de la citadelle fatimide de Salah ed-Din, est un modèle exemplaire de l'ampleur architecturale islamique. Cette mosquée madrasa ou bien école du sultan Hassan remonte au XIVe siècle, à la période des Mamelouks en Égypte. Un chef-d'œuvre architectural incomparable est considéré ainsi comme emblème de l'Égypte.
À l'ouest de la citadelle, l'accès vers cet édifice immense, à travers une allée étroite, bordée à sa droite de la mosquée des Refaï et à sa gauche du sultan Hassan. Quelques escaliers nous mènent ainsi à l'entrée de la mosquée. La porte d'entrée joue sur la hauteur. Une immense arche ornée d'un décor de moukarnassa est un témoin de la beauté architecturale du style mamelouk. À l'intérieur, un vestibule dont les proportions vont dans le sens de la hauteur. La verticalité, dont l'architecture médiévale était parmi les principaux caractéristiques de l'art antique islamique. Cet endroit là où nous sommes était donc considéré auparavant comme la salle de la réception. C'est là où on recevait les nouveaux étudiants en pension complète au madrasa école religieuse du sultan Hassan. Du vestibule d'entrée, un passage après quelques pas d'escalier sombre et tortueux. Là, on a donc l'impression qu'on passe à travers une citadelle fortifiée du Moyen Âge. Ce passage de ténèbres débouche sur une grandiose cour de lumière naturelle. Cette cour vaste à ciel ouvert est à la forme carrée.
Au centre, une fontaine aux ablutions, couverte d'une construction à coupole de plan octogonal. Une coupole dont sa partie inférieure, ornée de décorations florales, est supportée par des colonnes en marbre avec des chapiteaux de style romain.